Et c'est parti, nouvelle vidéo sur une partie à nouveau qui a été jouée récemment, une position qui a été obtenue après 26 coups ici. Les blancs viennent de jouer dame F2 et c'est certainement le genre de position qu'on a tous eu. Ce sont des positions où on a l'impression qu'on est gagnant. Alors matériellement, on a une qualité de plus. Le roi adverse a l'air très menacé ici. Il y a juste un pion pour la qualité. Certes, on a des pions doublés, mais normalement, l'action devrait être décisive sur ce roi. Mais alors, pourquoi je dis la position qu'on a eu tous? Parce que c'est pas si facile à conclure. L'adversaire a quand même des belles pièces. Hein. Ce fou est bien est un bon défenseur défendu par le pion A5. Le cavalier peut revenir en D3. S'il revient en F4, la position deviendrait incertaine si on ne trouve rien. Donc position qui m'a tapé dans l'œil, je dois dire. Et alors comment continuer ici et comment prendre des décisions? Alors même si on se trompe, hein, on peut quand même apprendre à prendre des décisions. Dans cette situation, alors je n'ai pas regardé, hein, bien sûr, je vous dis la position en détail. Hein, j'ai juste vu que la position était sympathique et qu'elle m'avait l'air gagnante. Et j'ai voulu m'attarder dessus quand j'ai vu la suite qui a été jouée. Donc dans cette situation, ce qui paraît normal, bien sûr, c'est d'éviter l'échange de dames parce que la position a l'air beaucoup trop simple à jouer après pour les blancs. Hein, le roi en serait aidé ici. Donc les coups qui peuvent venir à l'esprit, ce serait donc dame C6, dame D5, dame G4. Et les trois coups, je dirais que ce serait ces trois coups-là. Logiquement, on a quand même envie de rester sur le mat. Donc dame G4 peut-être en dernier. Ce qui me paraît, moi, le plus logique, c'est un coup comme dame D5. Pourquoi dame D5? Parce qu'on est centralisé, on tient la case D1, donc on évite tour D1, on évite tour E1 parce qu'on a le mat, donc on est un peu en mode, vous savez, de prophylaxie à nouveau. C'est toujours, on met la pression mais en empêchant les coups de notre adversaire. Ça me paraît être un bon coup, dame D5. Maintenant, le seul truc avec dame D5, c'est qu'il faudrait que je vérifie cavalier D3. Parce que comme je disais, quand le cavalier arrive en D3, arrive en F4, c'est un problème. Et là, il faudrait donc calculer un peu plus loin. Est-ce que je peux jouer tour E4? Est-ce que je peux laisser ou pas ce cavalier venir là, hein? Ça, c'est vraiment le gros problème. Hein? La double attaque va nous poser des questions. Du coup, on regarderait tour E4. Et sur cavalier F4, on regarderait maintenant tour prend, je pense. Hein? Parce qu'on n'a pas envie de le laisser prendre gratuitement. Donc, on regarderait tour prend. Il ne peut pas prendre de la dame parce qu'il est mat. Et certainement, s'il prend du pion, ici, la deuxième idée, hein, on veut attaquer ce roi, ça va être roi H8, tour G8. Très belle idée, quoi. Donc ça, il faudrait vérifier. C'est vraiment le calcul à faire dans la position. Alors, on va peut-être pas aller plus loin, bien sûr, hein, parce que on n'est pas dans des exercices tactiques ici, on n'est pas à vouloir résoudre, mais ça me paraît être une bonne idée, dame D5. Ensuite, dame G4 est peut-être une idée, mais dans ce cas, l'idée est différente, c'est qu'on veut jouer tour E2. Mais très bonne idée aussi, avec l'idée tour G2. Premier abord, quand même, je préfère garder le mat, mais dame G4 menace tour E2, je ne vois pas trop ce que font les blancs ici. Hein. Ça paraît très compliqué à défendre. Parce que si vous faites tour E1, alors j'échange simplement, je suppose, et je joue dame ici, et je menace mat. Et comment défendre cette position? Ça paraît très difficile. Hein. Pas de défense possible. Sur ça, on se prend dame ici, et puis on se fait mater. Ou on se fait mater comme ça. Donc ça ne va pas. Donc deux questions très importantes, ces deux coups. Et je pense pas que j'irai plus loin en termes de recherche de coups ici. Parce que je ne vois pas ce que fait mon adversaire. Après, bien sûr, ça dépend de la pendule. Hein. Je ne sais pas quel temps avaient les joueurs à ce moment, mais de toute façon, vous devez prendre des décisions pratiques assez rapidement. Même si vous devez prendre des décisions pratiques assez rapidement, restez sur des idées basiques, prophylaxie et menace. Hein. C'est la double idée, prophylaxie, menace ici. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait dans la partie? On va regarder. Hein. Le troisième coup que j'aurais envisagé, c'est dame C6, mais je trouve ça moins fort par rapport à dame D5, simplement parce qu'on laisse notamment tour... Tour ici, hein, simplement, hein, je pense. Alors, est-ce que ça changerait quelque chose? Je pense que peut-être ça changerait quelque chose. Dans la partie, c'est ce qu'il a joué, dame C6, tiens, d'ailleurs. Mais il y a eu cavalier D3, qui est le deuxième coup, bien sûr. Ok, bon, peut-être tour D1 était aussi une option. Mais cavalier D3 a été joué, d'accord? Ce qui semble très logique, hein, par rapport à ce qu'on a dit avant. Le fou défend, le cavalier veut aller en F4. Les noirs ont joué tour E4, ok, qui est très logique. Très, très logique. Est-ce qu'il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on a regardé? La dame était en D5, donc on va voir. Cavalier F4 a été joué, d'accord.
Là, tour prend F4, joué, donc il respecte ce qu'on avait dit. Prise ici, en F4. Et là, bah, il a joué roi H8, hein, justement. Donc en fait, on était plutôt bon. Donc ça paraît très normal. Et là, la différence, peut-être, vous voyez, c'est que la dame C6, comme on disait, ne menace pas en D1. Et ça laisse une défense au noir. Alors, je vous laisse une petite seconde pour la trouver, mais ça paraît très logique ici. C'est tour A3. Attaque le fou et permet d'avoir tour G3. Et là, ben, il faut déjà trouver quelque chose. Je vais en profiter pour vous montrer la différence avec la variante qu'on a vue tout à l'heure, avant qu'on aille voir plus loin la partie. C'est que si on joue dame D5, enfin, s'il fait donc cavalier D3, comme on a dit tour E4, cavalier F4, je prends, tac, et là sur tour A3, je le mate. Donc il avait la bonne idée, juste la dame n'est pas sur la bonne case. La dame n'est juste pas sur la bonne case dans cette situation. Et donc on va aller voir cette partie. Il y a eu dame C6, cavalier D3, tour E4, cavalier F4. Donc vraiment la suite logique, hein, parce que tour E4, comme on a dit, hein, ça va menacer de doubler. Hein. Et une fois que vous doublez tour E2, c'est fini. Cavalier F4, mange, roi H8, tour A3 défend tout. Là, il a joué dame D7, donc il revient avec cette menace de dame D1. Malheureusement, fou D4, prophylaxie contre dame D1 et contre-attaque sur fou F6. Et là, c'est le drame. Dame G4 échec. Roi H1 est joué. Ok, normal, parce que si vous faites. Je pense que si vous faites tour G3, vous faites mater ici. Hein. Logique. Du coup, roi H1. Menace tour G3. Parce que maintenant, sur dame D1, vous avez tour G1. Les noirs jouent H5. Et là, incroyable. Pourquoi? Il joue fou F6. Il ne joue pas tour G3. Tour G3, je pense que c'est quasiment fin de partie ici. Tour G3, très difficile à défendre. Hein. Regardez, tour attaque, le fou qui peut intervenir. Ça paraît très compliqué ici. Retournement de situation dans cette position. Par exemple, si vous jouez dame F5 en disant je défends tout, est-ce qu'il n'y a pas simplement. Est-ce qu'il n'y aurait pas dame F3? Je dis peut-être une bêtise, mais juste dame F3, double attaque. Voilà. Et je vois pas comment on défend ça. Hein, parce que ça menace. Parce que si vous faites contre-attaque sur le fou, après tour prend fou, vous menacez tour prend H5. Donc voilà, si vous l'avez plus dans le détail, vous pourrez. Hein, moi, je vais plus sur la réflexion, la forme, les placements, les choix. Hein, plus là-dessus que sur le détail. Et donc ici, il a fait fou prend F6. Roi H7 est arrivé. Donc là, ça arrange un peu. Tour G3, là, tour G3, la différence, vous allez voir la différence, c'est que les blancs font dame D1. Et maintenant, sur tour G1, vous n'avez pas le fou en D4. Donc dame D5 gagne la partie. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux parce qu'on peut voir à quel point l'ordre de coup ou le placement d'une pièce sur la case précise va contrôler les cases importantes. Et je vais remontrer sur tour G3. Vous n'avez pas, sur cette ligne-là, pardon, vous n'avez pas l'option dame D5 ici. J'ai trouvé qu'en termes de géométrie, de placement, tout ça, c'était assez sympa. Donc on a eu un retournement de situation d'une position où les noirs avaient l'air gagnants. Et si les blancs trouvent tour G3, je pense que par contre, les noirs sont perdants. Donc très jolie position, je vais remettre la position de départ. Qui était donc la position après dame F2. Et je résume, dans une position comme ça, vous avez un avantage, vous pensez que c'est décisif, mais l'adversaire n'est pas sans atout dans sa position. Réfléchissez bien et pensez bien, le meilleur placement par rapport à toutes les variantes qui vont arriver, par rapport au coup que lui va faire, ce qui va vous donner un peu une prophylaxie dans la position contre son plan cavalier D3, cavalier F4, donc prophylaxie et menace, dame D5, menace et prophylaxie, ou éventuellement dame G4, qui est aussi menace. Ici, serait plutôt surtout menace et prophylaxie contre tour D1, peut-être, simplement. Voilà, bon bah ce sera tout pour cette petite vidéo sur cette partie qui a été jouée encore une fois assez récemment. Je trouve que je m'amuse bien à faire ces petites vidéos sur des positions récentes. Vous me direz ce qu'il en est. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.